Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pas éteint mon miroir dans ma salle de bain et je n'ai plus de batterie. J'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi. On a super bien dormi. Tout le monde a très très bien dormi. J'ai une mèche qui part en cacahuète. Mes cheveux sont encore un peu en train de sécher. Je vais prendre les devants parce qu'à chaque fois, on me pose la question pour ce gilet. C'est un gilet vert qui vient de chez H&M, mais il a des années. Pour vous dire, je l'avais avant de rencontrer Renaud et ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, ça fait un petit moment. On est parti pour la journée. Je vais commencer par faire les lits. Il faut que je change les draps de Aria puisqu'il y a eu un petit accident. Mais je me dis, en fait, elles ont dormi beaucoup plus longtemps que d'habitude. Donc bah voilà, c'est pas bien grave. Donc on va changer les draps. Et puis on est parti pour la journée. Il fait super beau aujourd'hui. Grand ciel bleu, grand soleil. Donc ça, c'est trop cool. Et il faut absolument que je vous montre ma Monstera. Parce que, alors, elle va chercher le soleil. Hein, je vous le dis. Elle est piquée. Et celle-ci là, alors je sais jamais ce que c'est une pothos, je crois. Vous avez vu les pouces qu'elle m'a mis, c'est un truc de fou. Et elle tombe vachement, je suis trop contente. Ah, bah où? T'es prête pour aller où? Oui, t'as fait le sourire. T'es prête pour aller où? Tu vas où là ce matin avec papa? À la... Bibi, à la poulette. À la poulette? Non. À la bébé. Bézim. Tu vas faire des pirouettes? Ouais, cacahuètes. Allez, kidnapping. On y va, c'est parti. C'est parti. Allez, bye, bye bye. Au revoir. À tout à l'heure. Bisous. Bon, on est en train de faire le repas avec Cali. Romy s'est endormie. Je suis en train de faire cuire les pommes de terre puisque à midi c'est raclette. J'ai préparé le petit plateau, donc j'ai pris une planche en bois comme ça. Je sais plus d'où elle vient, franchement je pourrais pas vous dire. Donc dessus j'ai mis du chorizo, du jambon serrano, de l'homo, donc ça j'adore. C'est une, j'avais pris, vous savez, un mélange espagnol. On le prend tout le temps là-bas, nous, à Intermarché. Et c'est la marque, attends, je vais pas vous dire de bêtises, Corte Gusto, voilà. Et elles sont vraiment très très bonnes. On a mis également du saucisson et de la chiffonnade de jambon cuit. Voilà, donc pour midi, ça sera très très bien. Je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Et je vais découper une salade sucrine avec une petite tomate. Et ça sera très très bien. Sinon, cet après-midi, ça n'était pas du tout prévu. Mais en fait, j'ai eu ma petite sœur au téléphone. Et ma maman, elles vont au parc de la Tête d'Or, donc à Lyon, c'est un grand parc qui est très très beau. Et vu le temps qu'on a, on va en profiter, donc on va y aller cet après-midi. On va manger dès que Doudou et Aria rentreront de la bébé gym. Et on part directement après, comme ça on pourra en profiter. Oui, t'as trouvé une sucette. Cœur d'amour. Un cœur d'amour, oui. Qui c'est qui aime bien les cœurs d'amour? Romane. Ah, ta copine Romane. Donc voilà, on va manger et on partira doucement après le repas. Voilà. Et en haut, tout est nickel, tout est propre. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai changé les draps d'Aria. D'ailleurs, il faut que je balance les draps propres. Non, pas encore. C'est pas encore sec. Au sèche-linge. Et puis, bah voilà. Sinon, on va être bon. C'est cool. Et j'ai plus de batterie. Il faut que je change la batterie de ma caméra. Voilà. Hop. Let's go. Les patates, je prépare ma salade et mes tomates. Bon, tout est prêt. Charcuterie, les crudités, tomates, salades, champignons, les petites pommes de terre et le fromage. Voilà, on est parti, on va manger. Est-ce que t'as faim, ma louloute? Oui. Comment c'était la bébé gym? C'était cool. Trop cool? T'étais pas sage un petit peu. Ah, t'étais pas sage un petit peu? T'as fait papa tourner papa en bourrique? Oui.
maison, on vient de terminer de goûter avec les filles. J'avais fait un chocolat chaud au Thermomix qui est très très bon. Je pense que je vais regretter puisque j'en ai bu un petit verre. Alors un petit, je m'étais pris une petite tasse. Vous le savez, moi et le lait, on n'est pas grands copains, hein. Puisque dès que j'en bois, en fait, je sais pas, je me sens pas très bien. Comme si j'avais mangé trop gras, trop sucré, vous voyez. Bref, donc voilà. J'en ai bu un tout petit peu, on verra, j'espère que ça va passer. Sinon, je suis en train de presser des oranges pour faire du jus de fruits pour mettre dans ma bouteille B-Save là. J'ai fait ça en début de semaine et franchement, il est super bon. Donc, gain de temps pour le matin. Donc, je suis en train de m'occuper de tout ça. C'est des oranges que j'ai achetées à Intermarché qui sont très très bien. Voilà, je m'occupe de tout ça et après, on va aller doucher les filles. Je vous explique pourquoi on le fait aussitôt. Puisque ce soir, on va chez mon amie Pauline. En fait, elle a besoin de doudou pour porter son plan de travail pour sa cuisine. Donc, on va y aller et on va manger un petit bout avec eux. J'avais fait un velouté de champignons. Donc, je vais le ramener avec nous. On le mangera. On va le faire réchauffer. On va le manger. Ça sera très, très bon. Et puis, voilà, je pense qu'elle va prendre des petits trucs à grignoter. Donc, ça sera très, très bien. Soirée qui n'était pas du tout prévue, mais c'est ce qu'on aime chez nous. Donc, on va doucher les filles. Comme ça, elles seront douchées. Et dès qu'on rentre de chez Pauline, on aura juste à les coucher. Bon, après, on va pas les coucher. On va pas rentrer trop tard, hein, parce que demain, il y a école. Donc voilà. Allez, on est parti. Le jus d'orange, regardez. J'ai déjà fait hein, une bonne... hein, pour demain matin, bien frais, ça sera parfait. Attention, c'est la séquence où on parle du Papa Noël. Je préfère préciser. On est parti. Nous sommes rentrés à la maison, je suis actuellement dans l'atelier. Je vais prendre 5-10 minutes là, un petit peu. Alors déjà j'ai monté le vlog et je me suis aperçue que j'avais pas beaucoup de rush. Donc je me dis c'est le moment de faire cette partie de vidéo. Puisque j'ai eu énormément de questions, à savoir les cadeaux du Papa Noël. Qu'est-ce qu'on a demandé au Papa Noël? Alors, je vais m'installer avec les hottes, puisque nous, vous savez, on a des hottes où on met tous les cadeaux dedans pour éviter tous les papiers, etc., etc. Et je vais vous montrer en fonction des âges des filles. Donc, Cali a 4 ans, Aria a 2 ans et demi, bientôt 3, et Romy a, pour Noël, elle aura 5 mois. Elle a 4 mois dans... après-demain. Et moi, j'ai 36 ans en février prochain. Et alors, c'est quoi le rapport? Bah, c'est bien, c'est bientôt Noël aussi. Oui, mais toi, t'as ton cadeau de Noël, je l'ai, mon amour. C'est moi. Ouais. Mais s'il me semblait qu'il y avait un anguille sous roche. Et quelle anguille et que... voilà. Je suis une anguille, super. Bon, alors je m'installe et je vous montre tout ça. Je vais prendre les hottes à côté de moi et tout. Je vais tout vous montrer. Ne, je ne répondrai pas à tes attaques. Pour info, tu es en slip. Oui, je suis en culotte et alors. Alors, je vais pas me filmer parce que là, il y a la glace, vous voyez, et on voit le reflet. Donc, pour votre bien-être et le mien, on ne filmera pas cette fenêtre. Voilà. Et oui, je suis en culotte. Et alors, c'est comme si j'étais en maillot de bain. Tout à fait. Voilà, très bien. Et ben voilà. Bon, on s'installe et je vous montre. Je me suis installée avec les hottes. Bonjour monsieur. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous allez avoir beaucoup d'idées cadeaux. On en a acheté pas mal cette année. On s'est fait plaisir. Voilà. On s'est fait plaisir et on sait qu'on va faire plaisir en retour. On est comme ça. Je préfère préciser parce qu'à chaque fois, quand on parle des cadeaux d'anniversaire ou quoi, oh là là, il y en a beaucoup. Nanana, je préfère préciser. Donc, alors, je vais vous montrer les gros là qu'on n'a pas pu mettre dans les hottes et qu'on va devoir emballer par contre. Alors, le premier qui est normalement, je dis bien normalement pour Aria, mais je sais très bien que Cali va kiffer et dans quelques mois, Aria, et Romy va kiffer. On a pris le gros, gros Duplo. C'est lequel? C'est le Savane. Voilà. Il y a un avion, il y a des animaux et tout, les pandas, il est trop beau. Donc c'est le très très gros. Voilà, la plupart des jouets, alors ça dépend où on les a achetés, mais il y a du Oxibul. Carrefour? Doudou Carrefour? Doudou Carrefour? Il veut pas. Doudou Carrefour, exactement. Oui, non, mais... Il veut pas. Je tends une oreille, mais oui. Ouais, tu tends une oreille, ouais. Mais tu l'as pas bien tendu, hein. On avait utilisé notre carte cadeau. Voilà, on avait une carte cadeau due à notre voyage qui avait été annulée, donc on en avait profité. Ensuite, ça, c'est pour Cali.
Kali est fan de voitures, mais Arya aussi. Donc, on lui a pris un tapis. Alors, je tiens à préciser aussi, nous, il n'y a pas de jeu rose, c'est pour les filles. Non, 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 non. Tu veux jouer avec des voitures, il n'y a pas de problème. Tu veux faire des Lego, tu y vas. Tu veux faire le marteau, tu y vas. Tu... Voilà, il n'y a pas de problème. Et là, on aurait eu... avec du liège. Bien sûr, bien sûr. Elle a même une mallette de d'outils. Non, non, nous, il n'y a pas de... Voilà, je préfère préciser aussi. Donc là, elle a un tapis de voiture. Trop cool. Mais qu'est-ce qui va avec le tapis de voiture? Les voitures, bien entendu. On lui a... Papa, il va s'éclater avec ça. Il y a plein de voitures de toutes les couleurs. Il est trop canon. Il est à moins 50%. Ah non, mais il est trop canon. Ah ouais, ouais, non, mais trop canon. Il est à moins 50% quand il est passé. Ah, les boules. Ah, ouais, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave, de toute façon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, des petites voitures. Ensuite, donc, dans la hotte de Arya. Ça, c'est un jeu que je vous avais présenté. Vous savez, vous avez le chat au-dessus et il faut faire tomber les briques, mais... Mince. Faut faire tomber les briques sans faire tomber le chat. Ça c'est cool, ça venait de Amazon. Ensuite, toujours de chez Arya, pour Arya, pardon, Duplo encore. Donc là, il y a un petit canard et tout. J'aime bien les animaux de la ferme parce qu'au moins ça leur permet de les voir dans les mains et vous voyez. Donc j'ai trouvé ça cool. Petit canard, le mouton, le cochon et le petit minou. Voilà, et les Lego, nous, c'est... enfin, à la maison, c'est une valeur sûre, mais je crois que partout, c'est une valeur sûre. Ensuite, il y a ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais je les avais présentés. On avait trouvé ça à Noz, on avait payé ça une misère. Donc, ils en ont deux, et en fait... Alors, il marche pas parce qu'il faut enlever la languette. Mais quand tu secoues comme ça, ça fait comme Buzz l'éclair, vous savez, le bruit de Buzz l'éclair. Donc, voilà, et comme on sait qu'elles adorent Buzz l'éclair... Ensuite, je les ai mis les deux là-dedans. Il y en avait un chacune normalement. Ça, c'est un petit peu comme le chat, sauf que c'est le petit pingouin et c'est de la glace. Donc, vous avez des petits marteaux. On tire le dé en sachant... c'est une petite roulotte. On tourne la roulette et ça nous dit de briser soit un bleu, soit deux blancs, soit... vous voyez. Donc, voilà. Il ne faut pas faire tomber le pingouin, bien entendu. Ensuite, j'ai pris ce livre de recettes. Vous le savez, j'adore... les recettes, les livres de recettes, mais j'adore faire la cuisine et les filles adorent faire la cuisine avec moi. Donc là, je me suis dit, ok, on va le prendre. Donc c'est mes gâteaux de chef et en fait, dedans, vous avez des recettes qui sont super bien détaillées avec des images et tout. Donc ça, pour les filles, c'est trop cool. Là, c'est la hotte de Arya, mais clairement, je sais très bien que Kali va utiliser et inversement, Arya va utiliser des jouets de Kali. Ensuite, on a pris ça, des jeux en bois. Alors, c'était principalement pour Arya, parce qu'en fait, elle les avait vus chez une de ses petites copines et elle les avait kiffés. Donc, je m'étais dit, on va les reprendre. C'est des cubes sonores de la savane. En fait, c'est en bois et dedans, vous avez des petites billes et tout. Donc, ça, pareil. Arya, elle va s'en servir là, mais Romy, elle va récupérer sans problème. Et ça, j'ai kiffé. C'est le Magnetic Book, donc c'est pour faire des... Vous savez, c'est magnétique. Et en fait, vous collez le visage, vous collez les yeux et tout. Ça, c'est trop cool. Vous pouvez rejouer à l'infini. Vous avez des cartes pour faire le visage en question. En fait, vous tirez la carte et après, il faut refaire le visage. Donc ça, c'est trop cool aussi. Et franchement, c'est bien marrant. Et en plus, Arya, elle est... Il n'y a pas de souci pour jouer à ça. Et pareil, vous voyez les jeux quand on les achète. Bon, au bout d'un moment, on va revendre les jeux d'éveil. Mais après, la troisième va récupérer, etc. etc. Donc ça, c'est très très cool. Je rangerai la hotte après. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y en a sous vous là. J'ai pris des Smart Max. C'est les trucs qui sont aimantés aussi. Alors attendez, parce que en fait vous étiez posé sur les Smart Max, mais si je les montre, ça va être gênant. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça. C'est des petits trucs magnétiques avec des petites boules et tout pour faire des structures. Alors elle en avait déjà un, mais en fait elle n'arrive jamais à faire des grosses structures avec. Donc on en a racheté un avec 23 pièces. Ça, ce n'est vraiment pas donné, vraiment pas. Voilà, donc on achète de temps en temps. Ensuite, pareil, en dessous de vous encore, je vous remettrai
au-dessus après. Vous avez ceci qui est un projecteur de dessin. En fait, ça c'est pour Cali. Elle adore dessiner, Cali. Mais quand je vous dis elle adore, c'est elle adore. Et donc là, en fait, ça lui permettra de projeter le dessin. Alors il y a plusieurs dessins. En fait, c'est des petites roues qui se mettent dedans. Ça projette le dessin et après elle fait le contour sur la feuille. Donc je trouve ça trop trop bien. Voilà. Donc pour Cali, elle a bien entendu le même que sa sœur. Elle a ceci. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, c'est du plastique fou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une fois je vous en avais parlé. Et en fait, elle avait adoré parce que en fait, on colorie, après on passe au four, ça se réduit, on peut faire des colliers, on peut faire des porte-clés et tout. Et elle avait adoré. Donc on en a repris et on a pris le truc princesse. Donc il y a des princesses, des arcs-en-ciel et tout. Ça c'est trop trop bien. Cali, elle est très très manuelle, donc je suis trop contente parce que moi aussi je suis très manuelle. En parlant de manuel, je lui ai pris également le kit pour faire les bracelets et les pendentifs en plastique fou. Donc vous avez des perles à l'intérieur et vous avez plusieurs feuilles de plastique fou et les crayons de couleur. Donc les crayons de couleur, ça permet de colorier. Après, vous passez le plastique fou au four, il se réduit et après vous pouvez faire un collier, un pendentif, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est trop trop bien. Hop, ça, ça vient de Oxybul. Ensuite, c'est bien parce que je redécouvre des choses. Ensuite, la petite mallette comme ceci en bois. Donc dedans vous avez un sèche-cheveux, un peigne et tout, c'est tout en bois. Et je crois qu'elle l'avait vu chez l'une des filles de ma copine Pauline et elle avait adoré. Et en fait quand je l'ai vue à Action, je me suis dit ok, il faut que je lui prenne. Et pour terminer, Cali, hop, si j'arrive à la sortir, on lui a pris une voiture. Comment c'est? Une 4x4? Les 4 roues là. Ça permet qu'elle puisse rouler des deux côtés. Elle peut rouler des deux côtés. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est papa qui a un petit peu craqué, mais Cali avait craqué. Elle roulait quand j'avais 10 ans, j'ai jamais eu. En fait, Cali avait craqué chez le voisin. Le voisin en a une. Alors pas autant, pas qu'elle se retourne et tout, qui ressemble. Et en fait, elle voulait trop une voiture télécommandée. Donc Doudou, quand je lui ai dit ça, il a bien retenu et il allait lui en acheter une. Donc voilà, donc vous voyez, Cali, voiture, mais elle est quand même très, vous voyez, donc... Nous, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de... Ah, la voiture, c'est pour les garçons. Pas du tout. Je range les hôtes des filles et je vous montre après les petits trucs qu'on a pris pour Romy. Aria, alors là, je me suis fait un petit plaisir parce que ça faisait quelques temps que je ziotais dessus. Je lui ai pris le fameux téléphone de chez Fisher Price que j'adore. C'est l'iPhone 13. Oh, j'adore. Ouais, c'est ce qu'il semble. Il est trop mignon. Il est trop trop mignon. Ensuite, alors c'est des jeux que bien entendu Cali et Aria n'avaient pas, hein, donc voilà. Ensuite, on lui a pris un bus encastrable. Ça, c'est trop trop bien. Vous savez, pour commencer à encastrer les machins et tout. Bon, elle est encore petite, c'est pour qu'elle. C'est pour dans. Ah, mais il y a le prix dessus. D'accord, on adore, merci. bon, c'est pas elle qui va avoir le prix, hein, mais bon. Donc, on a le temps, hein, c'est à partir de 6 mois, ils disent. Donc, bon, ça sera vite là, hein, vous me direz. Mais voilà, il est trop mignon ce petit bus. Là, on dirait un petit bus anglais. Les bus anglais sont rouges ou jaunes? C'est les taxis qui sont jaunes. Bah, à Londres, c'est rouge après. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. J'ai plus de place sur ma carte, je vais me dépêcher. Ensuite, je lui ai pris la petite Game Boy de chez, pareil, Fisher Price, que j'ai adoré. Et on lui a pris ça, là. C'est une petite chenille qui se scratch. Voilà. Bon, alors, bien entendu, Aria, Romy, pardon, a moins de jouets que ses grandes sœurs. On est d'accord, hein. Voilà, elle a beaucoup de jouets et puis elle a 4 mois, hein, donc... On la gâtera un petit peu plus pour son premier anniversaire et le Noël prochain. Voilà pour tout ça. Je suis toujours en culotte, donc je vais faire attention où je passe. Je vais préparer mon sac de sport pour demain, puisque demain, j'ai aqua training à 9h30. J'ai rangé toutes les hottes, là, ça y est, j'ai tout remis. J'ai juste laissé ceux qui ne rentraient pas dans la hotte. Doudou va faire les paquets cadeaux. J'ai l'impression que mon œil il redevient rouge un petit peu, là, bizarrement. Ça s'était un petit peu estompé, et là, il est redevenu... Bref, je vais pas mettre mes doigts qui sont pas super propres dedans. Je fais mon sac de sport pour demain. Sans oublier mon soutien-gorge, ça serait bien. Et puis, je vais vous abandonner ici parce que je vais pas aller me coucher trop trop tard. Je suis fracasse. Demain matin, tout le petit-déj est prêt. Doudou a préparé la table du petit-déj. Le jus d'orange est dans le frigo. J'ai pressé des oranges tout à l'heure. Oh, je l'ai goûté. Les oranges étaient super bonnes. Et alors,
Je vous ai pas dit, mais avec le B-Save, là, franchement, c'est trop cool parce que ça enlève toute l'air et donc ça perd pas tout ce qui est vitamines et trucs comme ça. Et le goût n'est pas modifié. Donc ça, c'est trop, trop bien. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais on a rouvert le guacamole et il n'était pas du tout noir, vous voyez. Donc franchement, ça marche super bien. Je suis trop contente. C'est un petit investissement, on est d'accord, parce que le B-Save, bah, ça coûte un petit billet quand même. Hein. Mais franchement, ça peut être pas mal que ce soit pour maintenir, enfin pour garder les plats, pour les petits pots de Romy. Je trouve que c'est trop trop cool, donc voilà, je suis trop contente. Trop 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 contente. Allez, bon, on est parti. Je fais mon sac de sport, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous, même s'il y avait beaucoup plus de rush dans le garage à vous montrer ce que le Papa Noël a amené. Donc voilà, j'espère que je précise, je préfère l'indiquer quand je parle de tout ça, parce que l'année dernière je ne l'avais pas précisé et je m'étais un petit peu fait souffler dans les bronches, parce que je sais qu'il y en a qui regardent avec les enfants. Donc voilà, dès que je parle passage Papa Noël, sachez que voilà, on va parler du Papa Noël. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.